Le royaume de Bazermé est fut fondé par Bernipès en 1522. Le royaume est organisé les structures de sa gestion, c'est en 1513. Donc, Bernibès, ça veut dire Bernimbassa. Donc, les petits zèbres. Ça, c'est la signification, mais son nom, c'est Abdel Toukourou. Donc, le royaume de Bagermé est l'un des trois royaumes qui constituent le Tchad actuel, à savoir le royaume du Kanem-Borno, du Wadaï et celui de Bagermé. Le royaume de Bagermé est organisé administrativement, politiquement, économiquement et militairement. Le royaume dispose 9 dignitaires qui sont les garants de juste et cause. À l'époque, ces dignitaires qui ont le pouvoir et la mainmise sur le royaume. Pourquoi je disais, s'ils décident de détroniser le sultan, c'est eux qui ont l'habilité à le faire par un conseil dirigé par Ngarmani. Et l'intronisation aussi, c'est eux qui décident sous toujours la présidence de Magira. Parce que Magira, c'est la reine-mère du sultan. Donc pour l'intronisation, c'est lui qui a l'honneur et la charge d'intronisé le sultan. Et pour la destitution, donc, comme il est le maire du sultan, donc, il peut être aux côtés de son fils. Donc, c'est Ngarmani qui a la charge de président. Le dignitaire, je vais vous citer. Donc, premièrement, donc, il y a Magira d'abord. Après Magira, c'est Mbarma. Après Mbarma, c'est Pacha. Après Pacha, c'est Kira. Après Kira, c'est Ngarmani. Après Ngarmani, c'est Ngar Maïmana. Après Ngar Maïmana, c'est Ngar Berkété. Après Ngar Berkété, c'est Milma. Et après Milma, c'est Gladma. Donc ça, c'est les 9 piliers. Donc, à l'intérieur du royaume, aussi est constitué des filles et fils et épouses du sultan qui ont le rang et prérogatif de dignitaires, garants de juste et coutume. Donc, on commence à l'intérieur, on prend Gumsou, qui est la première dame, Badangou, la deuxième, l'El Mourba, la troisième, et l'El Dava, la quatrième. Et on descend ici, on prend Chorama, le fils aîné, le prince héritier. On prend Ngar Mourba, deuxième fils prince héritier. Tu prends Ngar Daba, troisième fils prince héritier. Et tu prends Ngar Kelo, quatrième fils prince héritier. Et tu prends Mam Tchoukadma, la première fille du sultan, qui a le commandement de toutes les femmes
été constitué dans le royaume de Bagadou. Les marabouts. Tu prends les mangos, tu prends Arkali, tu prends les manmadis, tu prends Toloba, tu prends Hatip, après tu prends les mandap, tu prends Toloba, si tu prends les manturli, et ici tu prends l'Iman Mossor. Donc il y a 8 grands marabouts, parmi autres, entre autres, l'Iman Gol, qui est le chef des marabouts, comme le président du conseil des marabouts. Arkali, qui a la charge de jugement. Parce que le royaume est sous la domination islamique. Le jugement coutumier se tranche à deux niveaux. Si les gens sont des musulmans, on procède au règlement juridique de la loi islamique. Et c'est sous le coup de Arkali. Et si la personne est non musulman, donc est sous la coupe de Kirema les dignitaires dont je viens de préciser. Politiquement, le royaume du Bagami incarne certaines mesures avec qui ils ont des attaches. Ils sont de limitrophes et ceux qui ont sous sa domination, mais il y a des rangs que je vais vous prendre. Exemple, le secrétaire d'extension, tu prends les banques de BDR, tu prends les banques Bousso, tu prends les banques Mafling, tu prends les banques Coursois. Donc, ce sont les principaux chefs de terre. Donc, avant même la fondation du royaume, donc c'est eux qui détenaient la terre qui constitue le royaume de Bakir. Je suis le 28e dépositaire de ces pouvoirs traditionnels. Je vais prendre deux ou trois pour vous dire. Bernibès, qui était le premier souverain du royaume de Bakir. Abdallah, celui qui a islamisé le royaume du Bagirmi. Je prends Bourkoumanda,
Donc, c'est le plus dictateur du royaume de Bagirmi. Et je prends Gaurang II, donc, qui a combattu la Rabat, qui est un envahisseur, il a porté du territoire du royaume, et qui a signé des protectorats avec le gouvernement français. Et c'est après qu'ils sont transformés en colonisation orque, c'est un protectorat. Donc, mais admettons, donc, on fait avec. Donc, d'accord. Et le sultan Youssouf, oui. Donc, c'est lui qui a accepté la signature de l'indépendance du Tchad à côté du président Tombo Mbaye. J'ai accédé au trône à l'âge de 30 ans. Là, c'est 30 ans. Nous aussi, nous avons bénéficié cette tradition et l'histoire auprès de VA. Moi, je suis créé, je tâtonne par-ci par-là, et je fréquente souvent le VA, et je le respecte. Donc, c'est pour cela que j'ai bénéficié à certaines histoires ou certaines traditions qu'aujourd'hui j'ai l'honneur de diriger ce tronc du royaume de Bagirmi. Mais je suis ouvert et je suis pragmatique à répondre à qui veut profiter de mon savoir, parler compte tenu de l'histoire de notre royaume, ainsi et même du Tchad, parce que nous avons appris aussi l'histoire d'autres royaumes comme celui du Wadaï et nos grands-parents, ceux du Sud. Si nous avons certaines histoires, donc j'en ai un peu pour exprimer aux Tchadiens ou aux étudiants qui veulent chercher les racines de ces chefs de tradition. Que nous vivons est créé en 1900. Donc, après la mort de Rabat, parce que l'ancien capital, c'est Boumassénia là-bas, qui est à 25 km, et peut-être en allant, vous allez voir même les traces et les ruines du palais. Massénia, donc, ça prend le nom de Tamarini. Le nom de Tamarini. Et lorsque nos grands-parents, ils sont des arrivistes,
que maintenant les gens disent que les Bagdouis sont d'origine Kenga, autrement c'est pas ça. Ils sont venus des Yémi, mais il y a toujours le trajet à qui il faut venir. Donc aujourd'hui, le roi Hassan II, nous avons les mêmes grands-pères. Et après, donc ils sont descendus vers l'ouest jusqu'à passer par Amtima. Donc Amtima, ils sont remontés, ils sont venus à Gomi. Donc ils sont au nombre de 24, les 12 sont restés à Gomi et les 12 sont venus ici à Massene. Donc avant, même là-bas, il n'y a pas le nom de Masséniens et autres. Le village s'appelait Trio. Donc, lorsqu'ils sont arrivés, comme ce sont des étrangers, les habitants de Trio, là, ils les ont logés sous les tamaréniers. Et après, comme ils sont des chasseurs, ils chassent, ils amènent les gibiers, ils donnent à la femme qui s'appelle Nyaya, une vieille. Donc, les habitants du village Triola qui disaient que ces gens-là qui amènent de l'eau, ils sont de la viande, ils sont où? Ils sont sous les tamarinés de Nyaya. Donc ça veut dire masse à Nyaya. Donc les tamarinés de Nyaya. Donc c'est comme en écriture, on a écrit Massénia. Avant, c'est l'Empire du Bagdad, avant la colonisation. Et après, lorsque le sultan Abdallah a islamisé le royaume, il a instauré la charia islamique. Donc, l'Empire est transformé en royaume. Et à la signature du protectorat que notre marabout Liman Bourkoumanda, donc qui est le secrétaire du royaume, au lieu d'écrire Malik, il a écrit sultan. Donc le protectorat est écrit en arabe, c'est pas en français, c'est en arabe. Et c'est la traduction qui a été faite en français. Donc c'est comme ça qu'ils sont rabaissés, hein, compte tenu de l'écrit, parce que le français, ils respectent l'écrit. Et même comme ces noms marabouts même qui sont écrits, donc c'est comme ça qu'ils ont dit sultan. Et ce qui a coûté le royaume du Bagdermi, du Wadaï, que maintenant s'est transformé en sultanat. Mais l'histoire est utile, donc ça garde les rangs et la dignité. Et compte tenu de la gestion actuelle, nous remercions très vivement son excellent Isereté Bignan, président de la République, chef de l'État, et qui est lui-même
il est issu de la chefferie. Et il a donné la valeur à la tradition. Depuis son accession au tronc jusqu'à aujourd'hui. Et la faiblesse revient que de nous, les dirigeants de ces chefferies et les hommes politiques. Donc, nous, au lieu d'accaparer nos pouvoirs et nos us et coutumes, donc on s'est délaissé au profit des hommes politiques. Et les hommes politiques, ils cherchent coûte à coûte pour anéantir ces chefferies, parce que certains qui ne veulent même pas entendre le nom de la chefferie. Et à chaque fois, s'il y a des opportunités, le chef de l'État n'a pas manqué à d'aider, même jusqu'à tout récemment, dans la constitution de la 4e République, il a donné une place de choix à la chefferie traditionnelle. Il a renforcé la capacité, même en créant une grande institution, en l'occurrence le Haut Conseil de collectivité autonome de la chefferie traditionnelle, pour que il veut revivre la culture et les mœurs du peuple tchadien et donner une place importante à la chefferie. Mais malheureusement, ce verre n'a pas été accueilli à deux bras comme il le faut. Mais Inch'Allah, nous qui sommes à ses côtés, et on va chercher toujours à coder pour que ces œuvres soient à voir le jour. Le